Bonjour tout le monde et comme je vous ai dit, on va attaquer donc les guidances de ce mois de novembre qui arrive. Alors déjà je vous remercie hein, pour tous les commentaires que j'ai, d'où tous les pays où je suis suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux que vous remercier. Mais là, allez, j'arrête de parler parce qu'on m'a déjà dit que je parlais un peu de trop. Là, vous allez voir que mes mains hein, pour les guidances hein, de ce mois de novembre à venir. Mais juste après, le signe qui a le droit à sa guidance va avoir aussi l'améthyste love, donc un peu plus ciblé sur le niveau sentimental, et pour ça, pour tous les signes. Voilà. Je prépare aussi quelque chose de sympa, puisque ça va faire un an que je suis sur YouTube maintenant. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez le droit à 10% de réduction par rapport à une tarologie personnalisée, si vous voulez. Donc, il suffit de me contacter, je vous envoie donc mes tarifs. Voilà, c'est assez abordable avec 10% en plus, c'est mon petit cadeau pour ce mois d'octobre. Allez, à tout de suite, c'est parti pour vos guidances de ce mois de novembre. Bonjour à vous les signes du Capricorne. Voilà, vous êtes mon avant-dernier tirage. On va regarder pour vous, hein, pour votre guidance personnelle et aussi pour le côté plutôt sentimental. Donc pour vous, les signes du Capricorne, pour retrouver le côté sentimental sur une autre vidéo qui sera tout de suite en ligne juste après celle-ci. Bien sûr, c'est un tirage qui est général, je le répète, il ne va pas correspondre à tous les Capricornes, ces messages qui m'arrivent sont pour certains du signe. Allez, on se détend, ferme les yeux et écoutez que le son du bol. Allez, c'est parti pour vous les signes du Capricorne. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu, hein, général, ce que ça donne pour les signes du Capricorne. Allez, c'est parti pour vous les signes du Capricorne. Et ascendant Capricorne, c'est un signe lunaire en Capricorne. Donc, je pense que ceux qui me suivent le savent. Et si vous venez de me rejoindre, merci beaucoup. Vous êtes présent sur ma chaîne. J'espère ne pas vous décevoir. Capricorne, novembre pour ce mois de novembre 2019, les signes du Capricorne, il y en a trop. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de novembre. Pour certains, si ça veut s'éjecter, pour vous, c'est pas le cas. Alors, on a l'intégration et nous avons la percée. On commence à régler certaines choses chez vous, le Capricorne. On va y voir plus clair par rapport à une situation, une question de s'équilibrer, une question de pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne.
ce mois de novembre 2019. Capricorne, ascendant Capricorne, ascendant Lunaire. 2019. De retrouver un équilibre pour vous, le signe du Capricorne, ce message qui m'arrive pour certains du signe. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de novembre 2019. Un déjeuner qui sort. Alors, nous avons la politique. Ça va discuter fort. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de novembre 2019. Alors, elle veut se retourner, elle veut venir. Nous sommes le monde. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bah, décidément, je disais qu'elle ne voulait pas sauter, et voilà, maintenant qu'arrive le partage. Décidément, Capricorne. On a la fête. Ascendant Capricorne, que je dis. Oula, 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 oula. On a l'isolation. Nous avons l'introspection. Nous avons la lutte. Capricorne, ascendant Capricorne, le signe de lumière en Capricorne. Il y a un lien qui va ressortir. Et ben elle est là. Voilà. Bah, toutes les lames mineures sont sorties sans la coupe. On va regarder juste au-dessous du talon pour que je puisse me faire une impression. La guérison. Mais j'ai pas fait la coupe. Voilà, la guérison. On va parler d'une guérison. Je dis bien, hein, vous équilibrez sur quelque chose, on reprend un équilibre. On reprend confiance en soi. Ça se trouve, pour certains signes du Capricorne. Nous avons la rose. Au niveau de l'oracle G. Capricorne, ascendant Capricorne. Signe lunaire en Capricorne. Les acquisitions. Ah ben voilà, elles sont sorties toutes les deux. On a une femme et nous avons des belles choses. L'argent, une carte solaire qui prévoit de bonnes choses. Est-ce que vous les voyez hein? Oui, c'est bon. Et ben on va regarder ben les lames mineures. S'il y a les majeures, il y a quelles qui ne sont pas sortie qu'il a fallu que j'aille au tirage. Nous avons la transformation, la conscience, c'est bien ce que je dis, pour certains du signe, la solitude et la foudre. Ouh, alors là, mes chers amis du Capricorne, je ne sais pas à qui va correspondre ce tirage. C'est parti pour votre lecture pour ce mois de novembre, les Capricornes. Alors autant vous dire que pour certains du signe, ça va ruer dans les brancards. On va pas vouloir se laisser faire, on va vouloir discuter, on va vouloir vraiment cette fois-ci mettre les choses au point pour ceux qui vont se reconnaître dans ce tirage, parce qu'on a ici la transformation. Mais cette transformation avec la foudre. Alors, je ne vais pas parler de sentimental, comme je vous ai dit, ou de travail pour l'instant, hein, on va rester au niveau général. Donc pour moi, avec la transformation, la foudre, on va vraiment pas se laisser faire. Hein. On va prendre conscience de certaines choses. Alors certes, on a la solitude qui est à côté. Alors, soit vous vous repliez pour comprendre les choses, mais à un moment donné, il va falloir que ça clash. Il va falloir vraiment dire ce que vous pensez. Vous voulez transformer les choses, vous prenez conscience pour ce mois de novembre que ben, y en a marre. Alors soit c'est à propos de votre solitude, mais à un moment donné vous avez décidé de vous bouger pour pouvoir avancer sur certaines choses. Soit vous avez un moment difficile à passer, vous prenez bien conscience du cas, vous préférez vous retourner dans votre solitude pour vraiment après mettre les choses cartes sur table. Surtout qu'on a la politique ici, donc il y a des discussions à prévoir. Hein. Vous comprenez que de toute façon, il va falloir qu'il y ait des échanges, qu'il y ait un partage, que ça ne peut pas être toujours dans le même sens, hein, pour arriver à avoir ensuite une libération à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on parle de politique. Attention quand même, pour certains signes du Capricorne, quelqu'un peut porter un masque. Vous voyez le masque ici, là, avec le serpent, la langue de serpent, la langue de vipère. Quoi qu'il en soit, ces discussions peuvent être aussi mauvaises. Attention à ceux qui vous entourent.
Peut-être que vous avez dans votre entourage des gens qui ne sont pas très sérieux, hein, qui ne sont pas tout à fait dans le partage, qui veulent un peu profiter trop de vous. Attention aussi à ça, hein. On a l'isolation qui est là, l'intensité qui est là. Alors, vous voyez, l'isolation d'un côté, l'intensité. On vit des choses, on les vit mal, on n'est pas bien, mais de l'autre côté, on a cette intensité. Donc, il y a une bascule. Mais cette bascule passe par l'introspection ici et la lutte. C'est qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher en vous-même les solutions pour avancer. Ça va être vraiment ce qu'il va falloir pour vous faire une bonne fois pour toutes. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir montrer ce que vous êtes, ce que vous avez en vous. Il va falloir lutter et vous allez y mettre quand même, vous allez vraiment y mettre de l'intensité, du feu, hein. C'est une carte de feu. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez vraiment, pour vous, un signe de terre, c'est marrant, mais vous allez y mettre tout ce que vous avez, toutes vos forces pour sortir de ces isolations que vous vivez, sortir de ce mal-être que vous avez, parce que vous allez chercher en vous les solutions, vous allez les avoir et ensuite vous allez les mettre en avant parce que vous allez lutter pour pouvoir vraiment vous sortir de cette situation. On a la rose qui est ici. Bon, à l'endroit ou à l'envers, c'est pas grave, hein, ça prévoit de belles choses. Et surtout, avec l'argent, donc ça peut parler d'argent, ça peut rentrer avec l'écureuil ici, ça peut compter que les finances vont s'améliorer. Hein. Pour une femme qui est Capricorne ou quelqu'un que vous connaissez, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, si vous regardez que c'est pour une femme Capricorne, donc on parle peut-être d'amélioration au niveau financier. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas financier, pour une femme Capricorne, on demande de rester sur ses acquis, de rester sur ses acquis et de garder les belles choses, d'aimer les belles choses et de rester sur ses acquis pour vraiment avoir cette carte solaire. Quoi qu'il en soit, les quatre dernières font présager un retournement de situation. Une opportunité, une chance d'y arriver, parce qu'on va rester quand même droit dans ses bottes pour vous, signe du Capricorne. On a la transformation qui est là et des belles choses. Voyez, vous allez, ça va se transformer. Ce que vous vivez va vraiment aller au mieux. Vraiment au mieux. Attention, vous risquez quand même d'être très déçu avec cette transformation et puis ces belles choses. Parce que soit on vous a promis des choses et ça vous a complètement isolé, parce que vous êtes rendu compte que quelqu'un portait un masque, n'était pas franc avec vous. Et finalement, ben vous êtes replié sur vous-même, ça vous fait mal, mais quoi qu'il en soit, vous voulez transformer cette situation. Peut-être mettre un terme avec une situation, avec une personne, mettre un terme au niveau, peut-être au niveau professionnel, transformer votre voie professionnelle. Vous avez aperçu qu'on vous a menti ou qu'on ne vous a pas donné ce que vous attendiez. Mais quoi qu'il en soit, vous transformez cette situation qui n'est pas bonne, hein, qui est néfaste, à de très belles choses ensuite, par la suite. Hein, avec la rose. Nous avons la conscience qui est là. La conscience avec nous sommes le monde, l'introspection. Donc vous comprenez bien que à l'intérieur de vous-même, bah, vous avez bien sûr votre place. Vous voyez, tout le monde se donne la main autour de la Terre. Vous voulez que les choses s'arrangent, que vous arriviez avec à prendre conscience que vous avez quand même des acquis. Vous avez quand même des acquis, hein, comme les noisettes de l'écureuil, on les met de côté et tout. Pour passer à l'étape suivante. Donc, vous avez conscience que vous avez vos acquis, mais avec nous sommes le monde et l'introspection, vous allez voir directement au fond de vous, vraiment avec l'introspection et la conscience, les solutions que vous avez, mais surtout d'être comme vous êtes. Voilà, de pas ne pas être un Capricorne, par exemple. Volontaire, peut-être pour certains du Capricorne, eh ben cette affliction, cette personne qui vous veut du mal, ou cette personne qui porte un masque, quelqu'un qui est proche de vous, ou c'est une situation professionnelle, quoi qu'il en soit, il faut que vous vous montriez Capricorne comme vous êtes, et ne surtout pas vous rabaisser et faire des pas en arrière. Prenez conscience des choses, allez chercher les solutions au fond de vous, parce que vous les avez. On a cette solitude qui est là, ça peut parler pour une femme du signe Capricorne, ou si vous êtes avec une femme, ça peut parler que cette femme, quoi qu'il en soit, va lutter. Va lutter. Elle va lutter parce qu'il va falloir qu'elle s'explique, il va falloir qu'il y ait un partage, il va falloir qu'il y ait quelque chose pour sortir de cette solitude. Soit c'est une femme que vous connaissez qui est du signe du Capricorne, et dans ce cas-là, il va falloir s'expliquer à un moment donné, hein. Il va falloir quand même qu'il y ait cette explication, il y aura ce partage, peut-être douloureux, ça c'est clair, peut-être douloureux pour cette femme Capricorne, ou si vous êtes un homme Capricorne, il va peut-être y avoir des explications avec la personne
qui partage votre vie, hein, et qui va peut-être pas être plaisant, hein, à un moment donné, hein. Ça risque vraiment de ruer dans les brancards parce que là, c'est vraiment, c'est pas la lutte en soi, c'est la lutte vraiment à discuter, à parler, mais ça va quand même créer de certaines douleurs. Bien sûr, on ne transforme pas les choses des fois sans douleur. Et là, elle est bien précisée. Cette foudre qui est ici, eh ben, c'est la foudre au niveau de cette transformation qui va avoir lieu sur ce mois de novembre. On va vers de belles choses. Une carte solaire, hein, si on oublie le côté financier, mais on a une carte solaire qui rayonne. On a l'intensité, ça rayonne aussi. C'est vraiment, vous voyez, la lumière, on vient du sombre et on arrive vers la lumière éclatante, hein, jaune d'ailleurs, comme celle du soleil. Et on sera à la fête. Voilà. Mais ça va péter. Va y avoir la foudre. Donc, si on me parle au niveau. Enfin, je vais faire d'abord une diagonale avant. On a la transformation qui est là. Donc, on voit bien que cette transformation va vous apporter de joie. La joie va vous éclaircir les choses. On va vraiment sur quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est beau. Mais ça passe vraiment donc par la lutte. Par la lutte. Et savoir que vous faites partie d'un tout, cette fois-ci. Quand je vous dis, c'est pour certains à qui ça va résonner, ce tirage. Restez pas en arrière, les Capricornes. Soyez Capricornes. Et il va falloir à un moment donné lutter pour avoir cette transformation qui soit bénéfique. Nous avons la foudre qui est là et les belles choses qui sont ici. Mais ça restera dans le partage et dans l'introspection. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller, il va falloir discuter pour que cette transformation passe par cette foudre. Et à un moment donné, une fois que ça aura pété une bonne fois pour toutes, eh bien vous allez retrouver les belles choses qui vont revenir vers vous en sachant que c'est vous qui avez ces solutions. Très émotif, on a quand même le 4, hein. Bon, c'est pas un 8, c'est pas un 9, c'est vraiment de l'émotion quand même qui est assez pure pour aller rechercher en soi les solutions, de rester dans ce partage, mais ça risque de ruer dans les brancards, hein. Je vous le redis encore une fois, parce qu'on a la lutte ici, la foudre ici. Alors, on a les quatre coins, la transformation va passer par cette foudre automatiquement, donc, et donc, par rapport à la rose. Les belles choses à venir avec cette carte solaire. Maintenant, je vais attaquer par rapport au. Si c'est sentimental, alors on verra avec l'améthyste love après ce qu'il va réserver sur le Capricorne, hein, les messages qui arriveront. Ce ne sera peut-être pas les mêmes. Mais là, si on est sur sentimental, sur le général, quoi qu'il en soit, on me parle de mettre les choses au point avec quelque chose, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc. Quelqu'un qui va falloir un petit peu qui vous isole à un moment donné. Vous n'êtes peut-être pas bien parce que cette personne, vous la sentez pas franche et vous en avez peut-être marre et vous voulez couper cette situation une bonne fois pour toutes. Là, vous allez prendre conscience des choses, comme je vous ai dit. Vous allez aller chercher les solutions en vous. Ça va peut-être créer de la douleur, mais il va falloir lutter. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où soit on vous ment, où quelqu'un vous mène par le bout du nez et vous le sentez venir et que vous ne pouvez pas rester dans cette solution. Donc, il va falloir vraiment y aller, foutre un coup de foudre une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire lui mettre un grand coup pour pouvoir retrouver sa sérénité, cette intensité et cette possibilité d'aller de l'avant. On va voir après avec le tirage, hein, les trois dernières cartes. Pour l'instant, si on me parle de ça, alors si vous êtes en couple, il peut y avoir de sacrés moments à passer, très difficiles, hein, très très difficiles. Ça peut parler aussi d'une situation où une femme se sent un peu mal, un peu isolée dans la vie du couple, hein, pour une femme Capricorne, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se lancer, qui n'est pas bien, qui se sent vraiment pas bien. Et ça va parler pour d'autres, si ça se trouve, qui sont célibataires, qui n'en peuvent plus, qui ont tiré une histoire au clair, qui ont voulu retrouver une belle chose, hein, dans leur vie, qui sont allés chercher ces solutions en eux, peut-être des gens qui étaient séparés, et on me parle de cette solitude, mais qu'à un moment donné, va y en avoir marre, il va falloir quand même, pour une femme, s'exprimer, je le répète, pour sortir de cette solitude, et il y a la foudre. Dans ce cas-là, ce sera un coup de foudre pour quelqu'un. Hein, on va aller à la fête, on va s'amuser, on va retrouver cette intensité, on sort du noir et on arrive vers la lumière, et la lumière solaire, comme je vous dis, comme ce soleil qui est là et qui va pouvoir vous faire avancer. Là, pour moi, si on est maintenant sur le professionnel, alors des choses n'ont peut-être pas été dites pour vous. Il y a peut-être des choses où vous n'y voyez pas clair. Attention à la supercherie, attention à des personnes si vous travaillez à votre compte. Vous n'êtes peut-être pas sur le même point de mire. Quoi qu'il en soit, pour retrouver cette beauté, va falloir
sortir un petit peu hein, ces deux terres, hein, le 7 et le 3. Donc il va falloir absolument vous lancer. Il va falloir vraiment vous lancer. Et à un moment donné, allez bim, hein, dire ce que vous avez à dire sur le cœur, hein, prendre conscience des choses, que de toute façon vous avez vos acquis, vous avez votre mot à dire, que vous ne pouvez pas rester comme ça rester en arrière pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre un grand coup une bonne fois pour toutes pour retrouver votre sérénité. Si vous êtes au niveau employé, là dans ce cas-là, on me parle que malgré que des promesses qu'on peut vous faire, ça n'avance pas. Vous allez rechercher pourquoi ça n'avance pas, vous allez trouver la solution, vous allez sortir de cette situation et de ce carcan, et vous allez pouvoir avancer et retrouver donc votre état d'amusement, votre état de liberté pour ce mois de novembre. Alors fin octobre hein, aussi, attention, hein, c'est pas forcément le mois de novembre, mais ça peut être déjà le 20 octobre, hein, fin octobre, que vous vivez une situation, vous sentez qu'il faut transformer quelque chose, que vous ne pas rester dans cette situation. Voilà pour vous, mes chers signes Capricorne. Allez, on va regarder maintenant avec les cartes. Alors, je vais tirer une carte de tarot de Marseille. J'aimerais savoir si c'est vraiment sentimental ou si. Alors après, oui, j'oubliais aussi pour le financier. Il y a retour des finances, hein, tout se passe bien, hein, fin du mois, hein, il y a quand même pour le mois de novembre. C'est une chose, si vous vous inquiétez pour les finances, ne vous inquiétez pas, il y a quand même les finances qui reviennent, hein, si on reste sur la carte des finances, l'éclaircissement au niveau des finances et tout. Attention quand même, il y a la foudre, mais bon, ça, la foudre c'est aussi l'histoire d'avoir des coups de foudre pour certaines choses, d'acheter des trucs, de faire la fête, mais quoi qu'il en soit, le système monétaire, on me dit que pour certains du signe du Capricorne, effectivement, il est protégé. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, voyons voir pour les signes du Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Pour ce mois de novembre, je voudrais un message supplémentaire pour tout ce qui est dans ce tirage. Alors oui, la roue du changement, hein, voilà, hein, cette roue, hein, ce chariot. Hein, alors le chariot est une très bonne carte, mais le chariot représente aussi les choses qu'on arrive à faire avec des difficultés. Alors ça montre aussi que c'est pas aussi facile que ça va l'être. Hein. Il y a un changement, il y a quand même la réussite au bout du chemin, mais comme je vous ai dit, ici nous avons la lutte, ici nous avons le partage, c'est vraiment une histoire de rentrer dans l'art une bonne fois pour toutes, d'éclaircir cette situation. Il y a le portage de masque, comme je vous ai dit, et puis ces discussions qui peuvent être un peu derrière votre dos. Il va falloir trouver cette solution hein, avec donc le chariot. Et vous allez y arriver, mais ça va se faire. Attention, c'est à un moment donné, pour certains signes du Capricorne, vous risquez vraiment d'être à la limite. Hein. À un moment donné, vous en aurez vraiment ras-le-bol. Et là, vous risquez un peu de péter les plombs, parce que c'est quand même le chariot. Ça peut aussi montrer, pas une souplesse, mais par contre, pas la souplesse, mais la dureté. Alors, attendez, je vais juste éclairer vite fait là, parce que j'y vois plus rien. Voilà. Quand même mieux, pas pour l'éclairage où je suis. Alors, c'est parti pour le. On va enlever le Marseille. On va y aller avec le tarot des anges. Il y a plein de choses hein, dans ce tirage, hein, mes chers amis Capricorne. Il y a plein de choses dans ce tirage. Alors, on va voir. Tarot des anges. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Un message, s'il vous plaît, supplémentaire, une orientation supplémentaire pour ceux à qui va résonner ce tirage pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune, signe lunaire en Capricorne. Celle-là, elle peut venir. Eh bien, il y a la chance, vous voyez? Le trèfle, vous avez la chance. Donc, oui, il y a bien un changement, il y a quelque chose. Soit une nouvelle histoire d'amour pour vous, un coup de foudre pour ceux qui sont célibataires, soit un changement de poste au niveau travail, il va falloir lutter, mais vous aurez un changement au niveau professionnel. Ou si vous attendez aussi quelque chose au niveau professionnel, ça va finir par tomber. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles, hein, avec les finances qui remontent, comme je vous ai dit, mais de toute façon, cette transformation va à l'éclaircissement. Bon, oui, c'est parti, celle-là est déjà sortie.
Alors, ça peut causer des retards un petit peu, hein. Vous êtes peut-être en retard de ça. Alors, ça peut parler de demandes, ça peut parler de choses où on vous a un peu miroité les choses et qui ça a pris du retard avant que vous ayez cette chance qui arrive. Quoi qu'il en soit, mes chers amis du Sagittaire, on va retenir une chose. Pour certains, il y a un combat à mener, il y a des choses à éclaircir par rapport à des personnes, à savoir qui vous soutient ou qui ne porte pas, qui porte un masque. Vous allez le découvrir parce que vous allez rechercher les choses en vous. Même si ça va créer de la douleur, il va falloir sortir tout ça une bonne fois pour toutes pour retrouver votre tranquillité. Donc il y a un combat à mener pour ce mois de novembre. Quoi qu'il en soit, cette transformation va vous porter vers le mieux, vers l'éclaircissement. Vous allez repartir, hein, le Capricorne. Et surtout, ne restez pas en arrière, comme je vous dis, ne restez pas en arrière. Hein. Soyez un Capricorne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage général, mes chers amis du Capricorne. Je suis très pressé quand même de faire l'améthyste love parce que je veux vraiment voir si ça va m'orienter vers l'améthyste love ou ce sera carrément autre chose. Voilà. Allez, à tout de suite les Capricornes pour votre tirage sentimental. Salut!